Ah bah non. C'est parti, sur la chaîne Sly Guy. On m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne? Eh bah oui, le clash tout de suite. Je pense que t'es encore... Encore plus chaud que lundi, Cédric. Lundi, tu étais chaud, hein. Ah bah ouais, mais là, je suis encore chaud, plus chaud. Il a fait combien lundi? Lundi, il a fait un score exceptionnel. Je sais, combien il a fait, Cédric, lundi? 35, je sais pas, on s'en fout, vas-y, on passe... Ouais, je crois. Nous, on parle du futur, nous, le passé, on s'en tape. Il a fait 35, ouais. Ah bah, effectivement, t'étais bouillant, mec. C'est le passé. Bouillant à 35 degrés. Les soirs, je vais te baiser, tu vas voir. Ah bah. Alors. T'as peur? Je compte dessus. Ce soir, je vais faire la méthode. Alors, tu es au courant, c'était la journée mondiale du sport féminin aujourd'hui. Oui, parce que j'ai écouté le morning, on en a parlé, Cédric. Voilà. Et ben moi, ce soir, je vais faire du sport avec la femme pour honorer cette journée. C'est bien, Cédric, tu suis les conseils qu'on donne le matin. C'est dans, bien, c'est dans bien. Le morning, faire du sport, ça c'est oui. Du bon. Et oui. Alors, c'est la santé, ouais. Comment tu réponds à ça, Romano? Parce que je te sens un petit peu déstabilisé par la méthode de Cédric. Ouais, fébrile, man. Bon, moi, je me suis fait mettre un piercing à l'anus. Non, parce qu'on parlait des piercings au sein hier, tiens. Bah ouais, bah moi, c'est au trou du cul, tu vois. Au trou à du l'anus. Cul. Et je vais aller montrer ça à la famille. Éventuellement, l'utiliser, quoi. Mais tu peux te faire mettre un piercing à l'anus? Ah bah ouais, tu sais, les petites barres, ouais, je pense. Il y a des mecs qui ont des piercings à l'anus, ou bah des meufs attends, qui ont des piercings à l'anus. Ça veut dire ils ont... Mais si tu mets une barre, ça veut dire qu'il a l'anus ouvert tout le temps? Bah non, ça coupe la crotte en deux. Je ah ouais. sais pas. Ah écoute, ouais, bah ouais, ça fait une double crotte. Là, tu dégoûtes. Ah puis c'est propre. Tu fais une double crotte. Ah ouais, mignon, dis donc. Ah. Bon, alors, deux méthodes. Ah bah tiens, attends, je suis tombé sur un forum. Alors, le forum des... piercing à l'anus. Je souhaiterais avoir quelques renseignements sur le piercing à l'anus. Attends, mais comment tu peux te faire faire un piercing à l'anus? Excusez-moi si vous en avez un, hein. Bon, je respecte, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, j'ai moi-même un ami chauve, donc c'est pour dire que je suis très tolérant. Mais un piercing à l'anus, faut quand même avoir l'idée de se faire percer le cul. Ah, faut être un ch'touffe, gros. Bah, ch'touffe. Ah non, faut être un ch'touffe. Le mec qui est seul se faire mettre un anneau anal. Un piercing à l'anus même ou le plus près possible de l'anus. Le mec, c'est ce qu'il met dans le message. Et voilà. Mais bon, le problème, c'est que le mec qui a écrit sur un forum, il n'y a personne qui lui a répondu. Mais bon. Oui, parce que les gens sont pas trop concernés par son piercing à l'anus. Qui se démerdent, en gros, ils lui disent. Bon, le clash, dans un instant, on attaque les coups de fil, hein, les familles. Cédric, ouais. Romano, je suis prêt là. Ah bah, on a déjà les deux méthodes, vous êtes prêts? Bien prêts. Ah bah voilà, si tu peux, regarde. Ah mais c'est en dessous de l'anus, c'est pas au milieu du trou. Ouais bah c'est quand même accroché. Ah bah si, regarde le truc qui passe dans le trou. Hein. Ah ouais, c'est accroché, c'est accroché sur un bord. Sur le quoi. Terrain de boule. Bah voilà, c'est ça que j'ai fait. Voilà, t'as fait un piercing à l'anus et tu vas donc en faire profiter les familles. Bah attends, ouais, tu vois, même toi tu t'interroges. Oui, mais je m'interroge surtout sur... Si les familles sont curieuses, ouais, elles voudront le voir. Je m'interroge surtout sur la réaction des familles qu'on aura tout à l'heure. Ah bah ouais, c'est clair. Bah la réaction va être bonne. Bon, on va voir. Bon, c'est parti pour le clash. On y va. Allez, c'est l'heure. En avant. Attention, attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et voilà, vous connaissez même leur méthode. Cédric d'un côté, Romano de l'autre. Cédric, c'est ça. La méthode du sport aujourd'hui. C'est ça, ouais. C'est la journée internationale du sport féminin ce soir et moi je viens faire un peu de sport avec les femmes. D'accord, c'est bien. T'es un peu coach sportif comme Romano ce matin d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Non, rien à voir. Bah mais si, j'allais donner des cours de sport aux femmes. Ouais, moi je vais baiser. Ils avaient le corps ramolli un peu. Bah, ils avaient le corps ramolli. Ah, bah c'était pour les aider. Donc après Romano, le coach ce matin, c'est Cédric le coach ce soir. Bah ouais, avec kiff. Hein. Ah, c'est ça. T'aimes bien les conseils pas chers, Cédric, mais t'as raison, c'est super. Bah, je les écoute tous les matins. Bah, tu m'aimes. Aussi. Ah non, pas du tout. Non. Bah, si, je sais que tu m'aimes. Bah, tu peux le dire. Et Romano, ta méthode, c'est la méthode du. Moi, je me suis fait. Piercing. Je me suis fait un petit piercing à la nuit, c'est exactement. Allô, on est chez qui? Premier tour, Cédric. Hein? Allô, Christophe? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? Je me présente, je m'appelle Michel, je suis un peu coach sportif. Et tu es au courant qu'aujourd'hui c'était la journée internationale du sexe, enfin du sport féminin. T'es pas un rouleau de scotch. Voilà, je suis coach sportif. En même temps, Bah, vous parlerez sur le début du mien, putain, je vous parle relou, de toute façon. Bah ouais, mais j'ai besoin que ça soit. T'es nul, fais pas des trucs comme ça, je suis scotch. Voilà, je suis scotch sportif. Et quand l'autre il bégaye, tu dis rien là. Ah bah, si je disais un truc chaque fois qu'il bégaye, il y aura plus d'émission. Ah ouais, merde, c'est vrai. Mais comme il parle aussi. Bon, Romano, justement, c'est à toi, premier tour, premier coup de fil pour toi. Allô? Allô? Oui. C'est Robert? Oui. Ouais, comment tu vas? C'est qui? C'est Jean-Louis, là, un voisin du bout de la rue, là. C'est qui, là? Jean-Louis. Jean-Louis, bah, je connais, ta femme va bien? C'est Jean-Louis. Oui, bah, ça va, les conneries, hein. Non, mais t'attends, parce que j'ai une petite surprise. Oui. Tu sais pas ce que j'ai fait, là, ce matin? J'ai eu un coup de folie, là. Je me suis fait mettre un petit piercing à l'anus. Et je voulais venir le montrer à ta femme. J'imagine que tu es d'accord, évidemment. Attends, je mets le haut-parleur, comme ça elle va répondre. Ah, voilà, très bien. Allô, ma chérie? Elle m'entend, là, c'est bon? Alors, vas-y, discute voir un peu. Alors, ce que je voulais dire, c'était que, donc, ce matin, là, j'ai eu un petit coup de folie, là.
dans la tête. J'ai été me faire percer l'anus avec un petit. Ça a bien fait. Avec un petit anneau. Ça fait du bien. Ah bah ça fait du bien. Oh sur le coup moyen. Ils t'ont fait une sodomie en même temps. Bah j'aimerais bien que tu m'en fasses une si je viens dans 5 minutes. Je vais t'en mettre une dans le cul, tu vas voir. Ah bah c'est parfait ça. Et hein? Après et après ta femme me lécherait l'anus parce que. Ça fait bien cela. T'as des conneries comme ça à dire. Est-ce que je vais avoir l'anus irrité après que tu m'as enculé hein? Donc oui, je préférerais qu'elle le lèche. Très bien, moi ça sera pas avec ma bite hein. Je te fous un coup de bâton dans le cul et puis je te fous la gueule. Ah c'est ce que j'adore. Oh. Bon bah écoute je me pointe. Ciao, bonne soirée. J'arrive dans 5 minutes. À tout de suite. Tu peux venir. Bah j'arrive. Merci de l'invitation. Ah bah oui quand même. Et du serrage même. Et voilà. Il n'y a pas de serrage là. Ton cul va se faire défoncer. Il n'y a pas de serrage. Ça y est, l'autre gueule. Pourquoi tu as passé? Non mais attends Cédric, c'était tellement romantique, gâche pas le plaisir. Mais tu veux te taper un coup de bâton? Voilà. Non, bâton dans le cul. Dans le cul, le bâton. Et dans le cul, il s'agit d'une relation sexuelle. Si on essaye, tu vois, si c'est pas sexuel. Eh bien, on fait un deuxième tour. Parce qu'on va pas s'arrêter là, sinon il n'y a pas de sujet. Allez, vas-y, ouais. Cédric, à toi. On fait toujours deux tours surtout. Non, on en fera deux, trois. Ça dépend. Ça dépend comment tu bah non, on fait pas toujours deux tours. Lundi, on en a fait trois. Oui, enfin, minimum deux tours. Vendredi, on en a fait trois. Oui, mais c'est minimum deux tours. Parfois, on en a fait quatre. Ah putain, là, le relou, là. Il est lourd, là. Allô, ouais, bonsoir, comment ça va? Ça rencontre lui-même. Bah, ça va, pourquoi? Bah, nickel, je voulais passer à la maison, là, Christian. Oui. Oui, t'es au courant que c'est la journée mondiale du sport féminin, là, aujourd'hui. J'ai oublié. Sport féminin, ah bon? Ouais, donc du coup, je voulais faire un peu de sport avec ta femme. Ah bon? Ouais, une petite levrette, et puis après, on verra, quoi. Ouais, ça, c'est une bonne idée, ça. C'est un bon programme. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, ben, ouais. Écoute, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes, là, je vais à la pharmacie acheter des capotes, et puis c'est pas la peine, y en a à la maison. Ah, t'en as déjà? Bon, ben, nickel. Eh, tu sais quoi, j'arrive dans 5 minutes, alors. Dans 5 minutes, pas de problème. Bon, dis-lui de se préparer, la belle, hein. Ouais, ouais, ouais. Ce soir, je vais la faire transpirer. Oh. Ouais, 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 d'accord. Comme jamais. D'accord, d'accord. À tout de suite, bisous, mon chéri. À tout de suite. Et voilà. Et voilà. Et de deux serrages. Trois coups de fil, deux serrages. Et bravo, ça, c'est un vrai serrage. Et qui a raté? Parce que vu qu'il y a eu trois coups de fil et que deux serrages, il y a quelqu'un alors, qui a raté. Alors, je consulte mes notes. Mais pas du vrai serrage que je viens de faire. Je consulte des notes du clash. Cédric a raté son premier coup de fil. Ah, c'est bien ça. C'est Cédric. Mais t'as entendu le vrai serrage que je viens de faire. Il a raté son premier coup de fil. Ouais, t'as fait un vieux serrage. C'est écrit sur la. Ici. Non, vraiment, quel arbitrage. Romano, est-ce que t'as entendu le vrai serrage que je viens de faire? Non, j'étais en train de caler la suite de l'émission parce que je suis professionnel. Il y a un but de Lyon, 3-1 pour Lyon. 3-1 pour Lyon. À Monaco, Coupe de France. Allez, on passe à ton deuxième tour, Romano. Xavier. Après ton serrage à coup de bâton dans le cul, eh bien, on va passer maintenant donc peut-être à un autre serrage, j'espère. Bah, on va voir si Xavier est chaud ou quelqu'un d'autre. Moi, je suis ouvert à toute proposition ce soir. Très ouvert, puisque je vous rappelle, c'est la méthode du piercing à l'anus. Ah, mais je suis mis un petit anneau, t'as nickel. Petit anneau nickel. Alors, ça a beaucoup excité le premier qu'on a eu d'ailleurs. Ah, ouais, moi aussi. Et moi, je voterai Romano. Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Allez, hop là, on va prendre l'autre. Ah non. Et oui, Romano, si tu parles au répondeur, il va pas te répondre, il est méchant. Oh, qu'il est vilain. Il est vilain, le répondeur. Comme Cédric. Hein. Il répond pas. T'as dit que c'était qui qu'on appelait, là? Sébastien. Sébastien, attention. Si vous venez d'arriver sur Skyrock, on est en plein clash, 22h19. Et attention. Bonjour. Bonjour. Vous êtes connecté à un... Oui. Allô? Ah, tiens. Oui. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Pascal, il est là? C'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis, un voisin du bout de la rue. Du bout de la rue de qui? De où? Bah, de la rue, là, de la ville. Ça passe pas voir Pascal, là, je voudrais que je lui parle. Entre hommes. S'il te plaît. S'il te plaît. Allô? Pascal? Je crois que ça galère là. Ah non, mais elle est partie chercher. La femme de Pascal? Je suis pas sûr. Elle est partie. Elle est partie. Oui, elle est partie, ça. Non, mais je crois qu'elle a juste posé le téléphone comme ça. Hop, hop, et qu'elle s'est barrée. Je crois qu'elle a posé le téléphone comme ça. Non, moi je pense qu'elle est partie chercher. Ils ont une très grande maison. Une grande maison. Donc faut qu'on attende, mais combien de temps à peu près? Juste pour savoir. Hein. Et Pascal n'a qu'une jambe. Pour 100 grammes. Je connais pas, mais là, c'est une copine à moi, elle a trois doigts. Bah tu vois, comme quoi. Bon. On attend. Qu'est-ce qu'elle branle, elle? Je sais pas, elle allait chercher Pascal ou. Je crois qu'il galère. Bah, je galère. Allô, qu'est-ce qu'elle branle? Bah, je sais pas. C'est... Je crois qu'elle s'est foutue de ma gueule. Bah, vas-y, tu sais quoi, je prends mon rappel. Pour elle? Eh ouais. Ah bah ouais. Il prend un rappel. Il aime le risque. Rappel accordé. Vas-y. Allez, on rappelle donc Pascal et. Si c'est occupé, ça compte pas. Et là. Ah, si, si. Ah, si. Mais c'est quoi ces règles? T'as pris un rappel. Bon, on rappelle alors, hein. Tu fais de ces règles, moi. Ah, vas-y, vas-y, tant pis, je l'ai pris. Tu le prends? Tu l'assumes bien le prendre. Eh ben, tu le prends, on y va, rappel. On a le droit à un rappel par classe chacun, je le prends maintenant. Eh ben, c'est parti. J'ai peur de rien, je le prends. Allô? Allô? Ouais. Et alors, Pascal, il est où? Allô? Oui, allô?
Oui. Oui, bah tu peux me passer Pascal. Déjà, on me dit pas tu connais pas. Bah ouais, mais bon, là ça a coupé là. Tu m'as fait perdre un appel, moi. Ah. Oui, grand bon. Bon, comment tu vas? Allez mal toi. Comment pas tu vas, Pascal? Connard. Tu veux que je vienne? Mais bien. Bien, parce qu'en fait, je me suis fait un piercing à l'anus et je voulais que ta femme me le lèche pour cicatriser plus vite. Donc je vais arriver dans 5 minutes. Bien sûr. Ouais, puis je vais m'occuper de toi aussi, t'inquiète pas, il y en a pour tout le monde ce soir. Oui. T'auras ma bite dans ton cul, promis. Je peux venir dans 5 minutes, j'ai l'impression que t'es un peu en panique là. Non, je suis pas en panique, ça va. Bon, voilà. Donc je peux me pointer? Tout à fait. Bon, je suis là dans 5 minutes, mes amours. À tout de suite, mon Pascalou. À tout de suite, bisous. Et voilà, et bam, bip, bip. Stratégie au point, c'est de janvier. Mais bam. Et tu vois, moi j'aurais pas pris de rappel. Je crois que j'ai t'as bien fait d'en prendre. J'ai la grinta. La grinta. Ils sont bien les choses, quoi. Eh bien, 2 tours et déjà 2 serrages pour Romano. Ouais. Moi, il n'y a pas de perte. Et ouais, 1 serrage pour le... Pour 100% Cédric. De réussite, ouais. Seulement 50% Mais moi, un vrai serrage. Ouais, ok. Avec de l'amour. L'autre, tu as sorti la gueule. Qu'est-ce qu'il est lourd. On passe. Mais ferme ta gueule, toi. Un troisième tour. Et il est agressif. C'est quoi tes commentaires de merde? Il est agressif. Je t'emmerde, moi. Bon, là, je t'emmerde. Bon, là, tu fais enculer une tasse. Voilà, FDP. Non, mais sérieux, quoi. FDP, MDR. Voilà, LOL, LOL, MDP. Alors, c'est bon, Cédric, qui après nous avoir fait réviser l'alphabet, on appelle pour ton troisième tour. Voilà. Tout de suite. Et on va chez qui? ABCD. ABCD, tiens, t'as un ABCD, voilà. Voilà, t'es un HQ. Ouais. Dans ta gueule. C'est un HQ. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 03. Ouais, hop, ça galère. Ouais, 2-1. T'as les nerfs en fait, mec. Non, moi ça va. Faut te soigner. Tout va bien. T'as un rappel, Cédric, hein. Tout se passe bien, ouais. Je suis médecin, je peux t'envoyer chez un confrère. T'inquiète pas, tout va bien se passer. J'espère. Ouais, j'espère aussi. T'es allô, Fian. Oui. Ouais. Bonsoir, Pierre. Oui. Ouais, comment ça va, Jean-Pierre? Comment vous appelez? Ben moi c'est Michel, enchanté. Michel comment? Ben Michel le beau gosse. Eh, dis-moi, je t'appelle là parce que t'es au courant que c'est la journée mondiale du sport féminin aujourd'hui? Hein? Ouais, je te jure, et je voulais faire un petit peu de sport avec ta femme. Oui? Ouais, elle est à la maison. Moi je suis tout seul, moi. T'es tout seul? Ben écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du sport avec toi. Je te mettrai une perruque et tu feras le rôle de la femme. Ouais. En levrette, nickel quoi, ça a passé ni vu ni connu. Ok mon petit JP? Oui. Bon ben prépare tes fesses, je vais te faire l'amour ce soir. Non. Tu vas voir ça mon chéri, tu vas kiffer. Ok? Non, il a dit non. Si, il a dit Allô? JP? Oui. Bon j'arrive, je m'occupais de ton anus. Oh non, tu vas aimer ça. Tu vas kiffer mon cochon. Oh non, pas ça. Ok mon petit Jean-Pierre. Ouais. Bon, il a dit ouais, t'as vu? Non. Si. Non. Si. Tu vas aimer ça mon gros. Non. Si, tu vas aimer. T'inquiète pas, je m'occupe de ton anus. Ouais. À tout de suite bébé. Non. J'arrive, à tout de suite. Alors Cédric, il a dit quel oui. Magnifique serrage. Ah bah ouais. Il a dit quoi? Il a dit oui. Non. Ça sert à rien de mentir, Cédric. Arrête de dire non, Jean-Pierre, t'es en train de me niquer mon truc là. C'est fait. Il a dit oui. Bon, Jean-Pierre. Bah, allez, c'est bon, je crois que. Jean-Pierre. Oui, dis oui. Ah, de crier. Oh non. Bah si. Il est content, Jean-Pierre. T'as rarement autant recalé, le belge. C'est quoi ce commentaire de merde? Je veux jouer à ce jeu pendant combien de temps, Cédric? Il dit non tout le temps. C'est beau, tu peux raccrocher. D'accord. Ah, abandon. Non, c'est pas abandon. On peut raccrocher. Salut Jean-Pierre. Ferme ta gueule. Une balle tringue, mais. À bientôt Jean-Pierre. Comme je l'ai jamais dit. Bisous, mon petit JP. T'as pas de chance, c'est à moi qui dis oui. Cédric abandonne. Non, j'abandonne pas. Bah si, t'abandonnes ton appel. C'est bon, on a fait l'appel. T'as un rappel, c'est fini, non, on arrête. Et pas notre tour. Non, y'a pas notre tour. On fait le dernier tour quand même pour toi, Romano. Bah oui. Allez, Michel. Alors, c'est parti. Oh non. Mais l'autre, tu crois qu'il a fait des bêtes de trucs sur ta fesse? C'était plus tard. Arrête de voir, c'était un truc de ouf. Ah là là. Il a le seum contre toi. Mais non, mais. On sent la rage dans ta voix. T'es voulu sucer la bite tous, mais il a rien fait le mec. L'autre, il se mange un coup de bâton dans la Karim, gueule. Karim, t'as l'air d'être très très pro Romano sur l'état. Ah non, moi, ouais, mais si. Karim est bon public. Oui. Bah ouais, je suis bon public. Mais il regarde, juste avant, il disait non. Et le serrage que j'ai fait, moi. Non, mais quand. Et le beau serrage que j'ai fait. Quand des fois, tu fais des beaux serrages à d'autres classes. Allo, allo. Allo. Ah bah voilà, vous parlez. C'est vous qui parlez, c'est pas moi. Alors, quand tu parles à 10 fous. Non, mais des fois, quand tu fais des beaux serrages, Karim, il te soutient, Cédric. Hein. Bah, tout à l'heure, j'ai fait un bête de serrage. Bah, t'as pas c'est bizarre, y'a pas eu de soutien. Ouais. Bah, pas ce soir. Bon, ça arrive des t'es fois. T'es pas compris à ce moment-là. Voilà. On y
retourne pour le dernier coup. Et après, vous pouvez voter pour Cédric, Romano, Romano, Cédric, celui qui vous aura fait. Je souhaite que ça décroche pas, tiens. Histoire de te niquer ton tour. C'est qui qu'on appelle qui répond pas ? Thierry. C'est dommage. Ah, allô ? Thierry. Oui ? Ouais, c'est Thierry ? C'est qui l'appareil ? C'est Jean-Louis, là, un copain de ta femme. Elle est là ? Elle est là ? Non, non, elle est pas là. Elle est où ? Ça peut te foutre. Bah, parce qu'en fait, je devais passer la voir, la soir, là. Oui, mais t'as, pas de soucis, t'as qu'à passer, mec. Bah, écoute, je vais passer, puis en attendant, je te ferai le cul. Et deux, trois. Ouais, ouais, avec ta grande gueule, gamin. Bah, écoute, avec sa petite bite. T'as qu'à venir, mec. Bah, ça se gâte, là. Je vais venir, et puis je vais m'occuper de ton trou de balle. Ouais, viens, viens, t'as qu'une grande gueule, mec. Et je vais venir, mais par contre, t'as. Elle va te faire enculer. Bah, j'espère. Eh, déjà, écoute-moi, j'ai déjà niqué ta mère. Ah, bah, c'est bien. Elle m'a dit que c'était pas super, d'ailleurs. Elle m'a dit que c'était vraiment nul. Va te faire enculer. Bon, je viens parce que. Elle suce bien ta mère. Ouais. C'est de famille. Tu viens quand tu veux, mec. Bah, je viens dans 5 minutes et puis j'attendrai ta femme dans ton cul. Pas de soucis, mec. Vas-y, à tout de suite. Va te faire enculer, va te faire enculer ta mère avec. Ah, bah, très bien, merci. Et même ta femme, ciao, gros. Merci. Et toute la famille, voilà, toute la famille c'est encore assez rare. Bravo. Mais bah, mais boum. Super classe. Il y a un quoi là. Bravo, Cédric. Bravo, Romano. Mais tu tiens ses rages là. Bah, il m'a pas invité à venir. Mais tu te fous pas de la gueule du monde. Est-ce qu'il m'a pas invité à venir? Mais l'autre, il veut te niquer, gros. Il va te défoncer. Bah, il veut me niquer, donc c'est assez rage. Mais toi, tu dis vague, mon ami. Mais tu t'inventes une vie, poteau, c'est trop là. C'est parti pour les votes. 5 minutes pour voter. Il est 22h, presque 28. Allez, 22h28 dans 10 secondes. Vous votez, on prend les votes jusqu'à la fin. Tiens, on écoutera Réseau, Niska, j'avais oh pas jusqu'à la fin de Réseau pour Cédric ou Romano. Cédric, quelque chose à dire. Ce soir, la team Lebelge, la team Romano, vous voyez bien que l'autre chauve raconte que de la merde depuis tout à l'heure. Il s'invente une vie. Moi, j'ai fait un bête de serrage. Tu parles en quelle langue ? Sur Christian, j'ai essayé Christian, tranquille, le mec, je vais faire l'amour à sa femme. Pour ça, votez Cédric, je vous aime très très fort. Et Romano. À toi. Eh bien, ce soir, ma team Romano, je ne vous ai pas proposé un serrage. Non. Pas deux serrages, mais trois serrages. Eh bien, ce soir, votez tous Romano, R-O-M-A-N-O. Alors, pour qui ça vote? Ce soir qui arrive. Il y en a déjà qui réagissent avec le message, Cédric. Son Koukaï vote pour la team Le Belge. La team Le Belge. On a Toshi qui nous dit go, 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 je vote Romano. Ouais. Lucas du 06, je vote pour Romano, le San de la veine. Ouais. Tu es le San de la veine. Je vote pour Cédric Le Belge. Pourquoi tu fais oh Romano quand il y a des votes pour Cédric? Eh mais quelle bande donc. Ah, le public est contre toi. Vas-y, dis encore des votes. Eh mais toi t'es un suceur toi Karim. Et Karim il a fond sur Romano ce soir. Mais y a qui vote encore? Mais toi tu changes de... Bah ouais, moi j'aime lui. Non mais lui c'est une saloperie. Lui il bouffe pas tous les ratons. Bah non, justement des fois j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ce que tu fais, gros. Je bouffe les couilles à personne. Bah si là tu bouffes les couilles là. Ah ouais c'est bon. Vas-y, je veux encore que tu lises des messages. Alors tu veux encore que je lise des messages? Général Téton, je vote Romano, baisons le vous. Un autre quel message. Vote Cédric le Belge. C'est le bout de nerf. Votez pour Cédric la famille. Juste pour l'enfoiré. Votez Cédric la famille. Ah les enfoirés. Allez, vous laissez pas influencer. Votez pour votre préféré pour ce soir. Et dans un instant, les résultats du clash. Vous en direct aussi. Bien suivre la chaîne As Live Guy. Mais d'abord vos boum, résultats boum, tam, tam. Avant boum boum tam tam. Qui a fait boum boum dans le clash ce soir? Les résultats arrivent tout de suite, je peux vous dire c'est serré. Ah ouais, Et oui Romano, malgré tes trois serrages. 1, 2, 3. La team Cédric s'est motivé. Ouais. Trois serrages. Mais il a pas fait trois serrages. Bah si, 1, 2, 3. Non. Un premier, un deuxième, un troisième. Et les résultats, les voici tout de suite. Il gagne le clash de ce soir. Et merci pour tous les voteurs, vous avez voté comme des fous. Ah ouais, ça a voté de ouf là. Oui, de ouf. Vous avez voté, la team Le Belge était là, a été piqué d'ailleurs par les soutiens de Romano de l'équipe et notamment Karim. Eh ouais. Bah non, on ambiance. Karim le suceur. Ça donne donc une victoire à Cédric ce soir. Hein? Ou à Romano? Ah non, mais c'est Cédric, alors là, je fais un scandale. J'ai vu le résultat, mais j'arrive pas à voir c'est qui. Eh, t'arrives pas à voir c'est qui a. Plus 56%. Eh ben, t'as mal vu encore une fois, Cédric. C'est con d'avoir des yeux aussi gros et de voir aussi mal. Mais bon. C'est pas 56. Non, c'est 59 contre 41. Pour Romano ce soir. Et voilà, bim dans ton cul. Bim, Romano. Quand, franchement, t'es bien payé à 41. 59-41. Ça a eu de merci pour le clash. Merci, ma team Romano. Vous êtes des amours. Vous êtes des amours. Ouais, ferme ta gueule. Voilà, vous êtes des amours. L'autre, il se prend pour Tex. Non, mais est-ce qu'à un moment donné, tu sais dire autre chose que des insultes? Oh, là, on va te faire enculer FDP, ABCDE. Ouais, mais tu sais dire que ça. Ouais, mais les mecs, ouais, mais le mec, il t'emmerde. En tout cas, 41, c'est pas mal. Je pensais que tu ferais. Je remercie quand même ma team Le Belge d'avoir voté pour moi de me soutenir. Gros con. Je méritais de gagner ce soir, mais c'est pas grave. En plus, il y a l'autre salope qui suçait Romano là ce soir. T'as un abcès, Cédric. Où? Là.
Non. Ton visage entier est un abcès. Ouais, t'as un abcès. Non, mais ça me gratte depuis tout à l'heure, mais non. T'as un bordel qui pousse sur le front. Mais non. Si, si. Ah, si, si. Mais... T'es ignoble. On va te peser, tiens, dans un instant. Romano aussi. T'es dégueulasse. Puisque Cédric, t'as beau dire t'es dégueulasse, tout ça, Cédric maigrit, lui.